Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Un appel au report de l'élection présidentielle au Sénégal a été lancé par Abdoulaye Wade. L'ancien président s'est exprimé sur le scrutin ce 4 février à Versailles. Il rappelle que le code électoral a été réformé sans concertation avec l'opposition. Découverte d'une nouvelle application développée par la société Rescue, appelée Flair. Elle facilite l'intervention des ambulances au Kenya. Désormais, la population pourra être secourue en 10 minutes contre 2 heures auparavant. Et puis, promouvoir la paix grâce au sport, tel était l'objectif du tournoi de football organisé par la société civile du 1er au 6 février 2019 à Moundou. Et pour la première fois, des équipes féminines y ont participé. Au Sénégal, Abdoulaye Wade demande un report de la présidentielle du 24 février. L'ancien président, dont la candidature du fils Karim Wade a été invalidée par le Conseil constitutionnel, opte pour la mise en place d'un organe de transition démocratique. Par ailleurs, un plan d'action en 3 phases a été annoncé. Explication Marcel Farba Maroun. Depuis son salon de Versailles, Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal, s'est exprimé sur les futures échéances électorales qui attendent le pays le 24 février prochain, après avoir critiqué le bilan du chef de l'État sortant Macky Sall, qu'il estime en deçà des attentes des Sénégalais. Le pape du Soupi a fait un focus sur les dossiers de son fils Karim Wade et de l'ex-maire de Dakar Khalifa Sall, dont les candidatures n'ont pas été validées par le Conseil constitutionnel. Depuis l'élimination par Macky Sall des deux candidats qui pouvaient lui porter ombrage, à savoir Karim Wade et Khalifa Sall, certains qui sont très avertis ou des personnes de son entourage affirment qu'il a déjà choisi d'être élu à 55% ou à 60%. À quelques semaines d'un scrutin qui se veut déterminant, Abdoulaye Wade rappelle que le code électoral a été réformé sans concertation avec l'opposition. Chef de file de l'opposition pendant des décennies, il promet ainsi la mise en place d'un programme d'action avant, pendant et après l'élection. Nous sommes en train de travailler sur un programme d'action qui se déroulera en 3 phases. D'ici le 23 février, action dans la journée du 24 février, action au-delà du 24 février, c'est-à-dire la proclamation des résultats. Un report de l'élection présidentielle du 24 février 2019, c'est ce que demande Abdoulaye Wade au président Macky Sall. Un processus qui permettrait, selon lui, de discuter avec les membres de l'opposition sénégalaise. Réunion du G5 Sahel à Ouagadougou, capitale burkinabé, ce 5 février. Une déclaration commune a été adoptée par les chefs d'État des 5 pays qui se sont engagés à poursuivre la lutte contre le terrorisme dans la région. Et pour cette année 2019, la présidence sera assurée par le Burkina Faso. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouédraogo. Au Burkina Faso, la 5e conférence des chefs d'État du G5 Sahel a refermé ses portes ce mardi 5 février à Ouagadougou. Au terme des travaux, les parties prenantes à la rencontre se sont dites satisfaites des conclusions qui ont permis de raviver leur détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme. Les chefs d'État se félicitent des progrès dans l'opérationnalisation de la force conjointe et s'engagent à la rendre pleinement opérationnelle dans les meilleurs délais. Ils réaffirment leur volonté de mobiliser davantage de ressources internes à son profit. Avec 2,4 milliards d'euros enregistrés au titre des intentions de financement de la force conjointe, des actions déterminantes devraient prochainement voir le jour sous le leadership du président Kaboré, nouveau président en exercice de la force. Celles-ci prendront en compte la mise en place d'institutions qui participent à la création d'un environnement propice aux services sociaux de base, toute chose qui permettra de lutter efficacement contre la radicalisation dans les zones frontalières. Malgré la modestie de ses moyens et en quelques années d'existence, le G5 Sahel s'est imposé comme une véritable force et un puissant moyen de lutte contre les menaces sécuritaires multiples. Enfin, pour ce qui est des perspectives, la force conjointe s'active à être en phase avec les défis du moment. D'ores et déjà, elle peut compter avec le Japon, qui lui vient en aide avec une aide financière d'une valeur de 23 millions de dollars US, dont 2,7 millions pour le Burkina Faso.
Une application dédiée aux urgences médicales au Kenya développée par la société Rescue. Cette application mobile se révèle d'une aide précieuse pour l'assistance médicalisée par ambulance dans le pays. Elle offre un service de localisation qui facilite le contact entre les usagers et les ambulances les plus proches des couvertes avec Nathalie Mou. La jeune entreprise technologique Rescue.co a doté le Kenya d'un système centralisé et coordonné de flotte d'ambulances privées appelé FLAIR. Son utilisation lors de l'attaque terroriste du 15 janvier 2019 à l'hôtel Dusit de Nairobi a été capitale pour l'évacuation des victimes. Les utilisateurs la présentent comme un outil aux fonctionnalités diverses. Il vous suffit d'indiquer votre adresse sur l'application et vous serez immédiatement en mesure de localiser en priorité les ambulances les plus proches. En outre, vous recevez des informations sur les capacités des établissements de santé situés à proximité. Cela permet une meilleure orientation des patients. Selon des données collectées par Rescue.co, 95% des pays africains n'ont pas encore accès à un service rapide d'ambulance. Au Kenya, malgré les embouteillages citadins, l'application FLAIR dispose d'outils fiables de localisation. Malgré les embouteillages qui sont monnaie courante à Nairobi, notre réaction reste prompte. Nous disposons d'informations sur le trafic routier que nous récoltons en temps réel sur l'interface de géolocalisation de Google. À Nairobi, il existe plus de 50 numéros différents pour les services d'urgence. Au-delà de l'assistance médicalisée, Rescue.co entreprend désormais de se lancer dans la lutte contre les incendies. À présent, découverte de Voice Tourette, premier concours musical mêlant politique et musique. Cette plateforme permet aux musiciens nigérians de se faire connaître et d'impacter la société à travers leur musique. Une dizaine d'artistes ont été sélectionnés parmi plus de 400 candidats pour mettre la vie politique à l'honneur. Aïssatou Diamanka Besland. La démocratie, la participation aux élections, le vote, le dialogue inclusif, la représentation politique, la conscientisation de la jeunesse, tels sont les thèmes interprétés par 10 musiciens nigériens choisis parmi 400 candidats à quelques jours de l'élection présidentielle au Nigeria. Leur objectif, s'approprier de la politique et sensibiliser la jeunesse sur l'importance de ce scrutin. Beaucoup de gens parlaient de participation aux élections ou de gouvernance. 4 ans sont passés depuis la dernière élection présidentielle. C'est plus facile de s'adresser à la population durant la période électorale. Elle est beaucoup plus attentive. Le mariage entre l'activisme politique et la musique populaire n'est pas nouveau au Nigeria. On se rappelle encore de la légendaire star de l'afrobeat, Fela Kuti, avec ses chansons engagées sur l'injustice et la dictature. Nous avons fait de la musique engagée pour la bonne gouvernance, pour les élections, pour que les femmes participent activement au pouvoir de décision. Nous travaillons avec des artistes qui s'adressent aux Nigérians à travers la musique et pour mettre le gouvernement face à ses actes. La population nigériane se rapproche des 200 millions d'habitants. Les moins de 15 ans représentent 41% de la population. Le 16 février 2019, les Nigérians se rendront aux urnes. La jeunesse est un nouveau électorat sur lequel les hommes politiques doivent désormais compter. Du sport à présent au Tchad, un tournoi de football a été organisé du 1er au 6 février pour promouvoir l'unité nationale. À l'initiative de la société civile en collaboration avec les autorités du pays, ce tournoi a permis aux leaders d'opinion de prêcher les notions de paix et de citoyenneté aux populations, notamment aux jeunes. Retour en images avec Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, des organisations de la société civile ont organisé du 1er au 6 février 2019 à Moundou, au sud du pays, un tournoi de football pour promouvoir la cohabitation pacifique. Selon les organisateurs, cette initiative de brassage des jeunes s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation pour la paix et l'unité nationale du pays. Nous sommes à la recherche de la cohabitation pacifique et sachant que les jeunes sont le fer de lance, nous sommes obligés de les inviter à venir se brasser et s'entendre pour l'avenir parce que nous devons préserver la paix.
Initié par l'Association des femmes pour le développement social, ce tournoi de football qui a vu pour la première fois la participation des équipes féminines a été une occasion pour les autorités de prêcher pour la préservation de la paix et la stabilité socio-économique du pays. Je voudrais vous inviter à une réelle prise de conscience pour le brassage de la cohabitation et la cohabitation pacifique qui constitue la condition sine qua non pour un développement. Car ne dit-on pas malheur à l'homme seul. Pour rappel, des milliers de jeunes ont fait le déplacement pour assister aux différents matchs du tournoi de la cohabitation pacifique. Des conférences, débats sur les thèmes relatifs à la paix ont été animés à l'attention des jeunes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.